peut voir ici un bâtiment de 2100, je sais pas ça, j'ai effectué. Je vois que les tuyaux sont un peu agrandis la poussière, comme le fermier, voilà, agrandis la poussière. Actuellement, il est 19h, voilà. Il est 19h précisément. Voilà, voilà les vues. Voilà, ami total là. Et puis maintenant, voilà, Pythagore là. Des fois. 7. 8. Fermé. Donc, mobilité des sujets. On peut voir que les sujets sont en très, très grande forme. Et bientôt. Cette vidéo vous est offerte par Essembo TV. Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Essembo TV. Je me nomme Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique de l'élevage. Actuellement, je suis. Actuellement, on est où? Sangor. Sangor. Actuellement, je suis à Sangor. Voilà. Précisément, une brève vaisseau en partant sur la route de Dabou. Donc, on peut voir ici un bâtiment de 2100 chaises. Donc, quel est le constat que j'ai effectué? Je vois que les sujets sont un peu coincés. Demain, nous allons agrandir la piscine. Comme le fermier, nous allons agrandir la piscine demain. Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu le bâtiment. Merci. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un bâtiment qui peut supporter au-delà de 2000 sujets chers. Ça peut aller jusqu'à 3000 chers. Effectif ici, nous avons 2100 chers. Nombre d'abreuvoirs, nous avions 40 abreuvoirs et nombre de mangeoires, nous avons 45 mangeoires. On peut voir le bâtiment qui est grand. Donc demain, le constat que j'ai fait, j'ai constaté que les sujets sont un peu coincés. Donc on va agrandir un peu l'espace de vie. On va agrandir pour envoyer sur cette zone que je vais présenter demain. État mobilité des sujets, on peut voir que les sujets sont en pleine forme. Mobilité des sujets, on peut voir que les sujets sont en très très grande forme. Et bientôt, dans quelques jours, ces sujets vont passer à la casserole. Dans divers mets, c'est-à-dire dans divers menus. On peut voir celle-ci. Donc c'était Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique de l'élevage. N'hésitez pas de nous suivons sur la page YouTube. C'est ce client qui est situé qui nous a fait confiance et je pense que le résultat, il est vraiment content pour le résultat. Donc, je vais nous passer juste deux jours, voilà, deux jours ici, juste pour pouvoir corriger certains détails. Vous pouvez voir le bâtiment, c'est grand. Hein? Donc demain, on va agrandir là-bas. Quand tu mets un peu là, ne verse pas. Non, non. Là, j'avais constaté s'il y a des endroits là. Ils ont versé la nourriture. Mais on va mettre un peu maintenant. Ce qui est petit là. Je sais qu'il y a au moins 10 comme ça déjà. Ce qui est dans les plus petits qu'on a 10. Ils ont des poussins qui n'auraient pas le poids au début. Dès là-bas, non. Donc on va les enlever dedans. Voilà, on va les enlever. Donc toi tu es derrière ta caméra. Si tu aimes vraiment les vidéos, partage, active la cloche de notification. Abonne-toi. C'était Abdul Ramis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ITE, également qualifié en ATP, habitat tropical et option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Allez, bonne lecture. Voilà, voilà les vues. Voilà, ami total là. Et maintenant, voilà, Pythagore là. On vient de servir ça. Voilà comment on a rempli le cuillère là. Ça fait une fois. Deux fois. Je vais fermer. Une fois. Deux fois. Trois fois. 4 fois, 5 fois,
6, 7, 8, fermé. Donc voilà, ça fait 90 tours. On va faire les deux versions maintenant. Les deux. Thank you.